Je n'ai pas eu l'intention de rendre compte d'une expérience. Il se trouve que, vraisemblablement, mon rapport à l'écriture est un rapport existentiel et que, à bien des égards, tout ce que j'écris relève, je ne dirais pas du récit de vie, mais du roman, absolument tout. Et y compris ces scènes de la guerre sociale que je présente par commodité comme étant des chroniques, c'est un roman. C'est le roman d'un personnage que je désigne jamais par son nom, uniquement par la troisième personne, il. Il se trouve ce personnage, évidemment, je peux me permettre, maintenant que je n'écris pas, que je parle de ce livre, je peux me permettre de dire très clairement, et d'ailleurs le livre l'indique, que ce personnage se confond avec l'auteur. En tant que citoyen, en tant qu'humain, en tant que, ça va faire sourire certains auditeurs, en tant que militant sans carte, et militant sans carte depuis mes 15 ans, grosso modo, il m'a semblé indispensable pour moi, en tant que sujet humain, de participer à ce mouvement social. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai éprouvé le besoin irrépressible d'écrire, sous forme de billets que je mettais en ligne sur un réseau social. Et au bout de quelques semaines, il m'a semblé que je ne pouvais pas continuer ainsi, que c'était vain, que c'était effectivement le compte-rendu, et que le compte-rendu ne suffisait pas. Ne suffisait pas pour moi, peut-être pour les lecteurs, mais pas pour moi. Il s'agissait non pas d'être un témoin, non pas d'être un observateur, non pas d'être dans une enquête participative, mais véritablement d'écrire. D'écrire ce que je ressentais, ce que je vivais avant et après, c'est-à-dire une jeunesse, la mienne, une jeunesse à la fois vécue et rêvée, et une jeunesse qui me revenait. Et je courais après, chaque samedi, je courais après cette jeunesse. Et en fait, j'ai éprouvé à la fois le désir et le besoin de dire de ces billets qui sont des comptes rendus, à l'origine, c'était des comptes rendus, je vais en faire un livre, je fais en faire un livre dans lequel, en partie, je vais me raconter, moi, un type de 64 ans, qui n'arrive pas à accepter l'idée de son âge, et qui voudrait, par la magie de l'écriture, se retrouver loin en arrière, quand il avait 18 et 20 ans, dans les services d'ordre d'ultra-gauche. Je pense que dans le livre, le narrateur et le personnage, les deux confondus, oscillent. Ils vont passer tour à tour d'un enthousiasme romantique à un désespoir terrible. Ils vont passer de la joie à la colère. L'enthousiasme, vous savez, il y a une phrase de Roland Barthes écrite à propos de Philippe Solers en 1968. C'est une phrase que j'utilise souvent dans mes cours, mais je crois que, y compris aujourd'hui, je ne l'exploite pas véritablement, je ne la comprends pas véritablement. Cette phrase, je cite de mémoire, « L'idée révolutionnaire est morte en Occident ». Roland Barthes, 1968. Pour ma part, dans mes cours, il m'arrive de la commenter. Et en fait, toute ma vie, 40 années écoulées, j'étais incapable de prendre au sérieux cette phrase. Si bien que j'ai milité jeune, 10 ans, entre mes 15 ans et mes 25 ans à peu près, je simplifie. Ensuite, je suis parti en Afrique, et de fait, ma position a été une position d'observateur. J'observais ce qui se passait dans le monde, là où l'on m'accueillait et ce qui se passait chez nous. Et puis, j'ai expérimenté, je m'en aperçois aujourd'hui, la suite de la phrase de Barthes que j'ai évoquée. Si l'idée révolutionnaire est morte en Occident, elle est peut-être encore vivante ailleurs. Et par exemple au Congo, j'ai vécu l'idée révolutionnaire par procuration, puisque je me suis trouvé à un moment où l'on pouvait penser que le peuple congolais allait faire une révolution. J'ai beaucoup soutenu telle ou telle force à l'époque, mais par procuration. Mais exactement comme ma génération a sans doute vécu la révolution par procuration. Nous nous sommes projetés vers la Chine, nous nous sommes projetés vers Cuba, nous nous sommes projetés partout où il y avait des maquis et des luttes armées. C'était une attitude romantique, je ne crache pas sur cette attitude romantique, je la décris, une attitude à la fois romantique et un désir tragique qui nous a animés. Il se trouve que, à partir du moment où je suis allé manifester, dans un premier temps, avec une certaine circonspection, de dire « mais qui sont ces gens qui manifestent? Ai-je ma place parmi eux ?» Ensuite, très vite, de dire « oui, bien sûr, j'ai ma place. J'ai ma place parce que c'est une partie du peuple, tel qu'il est. Il ne s'agit pas de l'idéaliser, ce peuple. C'est une partie du peuple et je n'ai pas le savoir, mais je sais 2-3 choses qui peuvent servir au mouvement. » si les conditions sont réunies pour que l'on puisse se parler tous. Donc j'y suis allé avec enthousiasme, et il est vrai, ce n'est pas une formule de rhétorique, j'ai eu le sentiment de gagner 10 ans au moins, ou même 15 ans. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé, alors d'aucuns diront que mon attitude est polémique, je ne crois pas, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la disproportion des mesures prises par les autorités pour contenir ce mouvement, une disproportion. Que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'ordre de la réglementation et de la loi. Il faut se méfier de ces souvenirs, mais il me semble que, y compris au début des années 70, nous pouvions aller dans des manifestations dont nous savions que ça allait dégénérer, que nous allions nous affronter à tel cordon de CRS ou à tel cordon de gendarmes. Je crois que nous n'avions pas peur. Et il y a eu des blessés graves, il y a eu quelques morts. Je crois qu'on les a perçus comme des débordements, des excès, des bavures. Même si nous nous gossions de ces bavures, évidemment. Mais là, il m'a semblé qu'il y avait une volonté, comment dire, bon, je ne voudrais pas verser dans l'hyperbole, mais il m'a semblé qu'il y avait une volonté de terroriser, d'humilier, de terroriser, de meurtrir. J'avoue que quand j'ai vu des blindés de la gendarmerie au bas de la rue Vital-Carl, ça m'a fait quelque chose. J'ai pensé aux blindés congolais que j'ai vus déployés à Brazzaville contre les manifestants. Il y avait des choses étonnantes. Et par contraste, ce que je vais dire n'est pas adroit, tant pis, mais par contraste, je trouvais que beaucoup de mes amis de mon âge ou un peu plus jeunes, relevant de mon milieu socioculturel, ça ne leur faisait pas grand-chose de voir ce déploiement, parce qu'ils le voyaient. Nos villes étaient en état de siège tous les samedis. Il y avait des dizaines de véhicules des forces de l'ordre qui se déployaient des heures avant la manifestation. Les affrontements étaient violents, ça ne passait pas inaperçu. Et ma foi, on ne disait rien. On ne disait rien. Ça m'a beaucoup, à la fois choqué et mis en colère, effectivement, mais une colère impuissante. Il se peut que la langue des scènes de la guerre sociale soit un peu spécifique. Il se peut. Ce n'est pas mon sentiment, mais il se peut que je me trompe. Je crois que maintenant, depuis quelques années, j'ai trouvé une voie, VOX, j'ai trouvé une voie. Cette voie, elle apparaît avec Bordeaux, la mémoire des pierres. C'est écrire avec la bibliothèque, c'est écrire avec le vécu, écrire avec l'imagination, écrire avec la dynamique même de la langue. Il y a un certain nombre de tournures, de structures, de mots auxquels je ne pense absolument pas. Et puis, devant l'écran et le clavier, alors que je suis sans et haut sur un paragraphe, ça vient. Et je n'y avais pas songé, je n'y avais pas pensé. Ce qui me semble être ma démarche, c'est que si je continue d'écrire, je ne sais pas comment va évoluer ma langue, mais aujourd'hui, j'ai trouvé une langue qui me convient et une langue qui, selon moi, est d'abord la mienne. Cela va paraître très arrogant, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où un lecteur, n'importe quel lecteur, ouvre un de mes livres et il va tomber sur quelque chose de singulier, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc là, j'en suis très satisfait, parce que c'est ma langue aujourd'hui. Et cette langue, j'essaie de la ciseler, j'essaie de la penser comme étant la langue la plus à même pour m'aider à rendre compte d'un état du monde aujourd'hui et de ce que pourrait être le roman aujourd'hui, c'est-à-dire l'écriture. Attendu que vous m'avez compris, je considère qu'à bien des égards, toute écriture est roman. Donc pour moi, j'ai voulu écrire ce que je vivais, ce que je voyais, ce que j'entendais, ce à quoi je pensais, les souvenirs qui me revenaient. J'ai voulu les écrire dans cette langue, qui est une langue où j'essaie de faire émerger le corps. Alors évidemment, quand on va dans une manifestation, qu'on se fait nasser, qu'il faut vite courir, parce qu'autrement on risque de mauvais coups, qu'éventuellement il faut se protéger, qu'éventuellement aussi on est un peu plus agressif, parce qu'on n'a pas envie de recevoir des coups sans en rendre, certains coups, etc. etc. Il est évident que la langue ne peut pas avoir le même cours que la langue qui invente François Lister, un monsieur de 73 ans qui habite le cours Victor Hugo. Ce n'est pas possible. Il s'agit de trouver une langue torrent, une langue bourrasque, une langue où l'on sente la peur et où l'on sente la joie, y compris la mauvaise joie. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais pour ma part, quand telle unité de la BAC a reculé à l'entrée d'une rue qui donne place Péberlan, j'ai éprouvé une grande joie. Et j'espère que cette joie transparaît dans la page qui la restitue. Et puis il y a d'autres pages où on sent bien que j'ai la trouille. Parce que ne pas avoir la trouille, enfin je ne sais pas, enfin, moi j'ai eu souvent la trouille pendant cette année. Tout à l'heure je disais, ce qui peut paraître grandiloquent, que je suis vraisemblablement depuis mes 15 ans un militant et depuis plusieurs décennies un militant sans carte. Alors un militant sans carte, ça veut dire aussi un universitaire qui essaie de bien faire son travail, d'aider ses étudiants, de publier, enfin d'avoir la vie ordinaire du lettré. Pour moi, c'est militer aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis des décennies. Faire correctement son travail, c'est une prise de position. C'est peut-être mon grand arrière à moi. De dire, puisque l'on ne peut pas raisonnablement envisager d'aller rejoindre tel conflit armé ou d'aller voir brusquement les communes populaires instaurées partout en France, bah, il s'agit de travailler, d'avoir des relations humaines, généreuses, d'être attentif. Ça, c'est ma démarche. Si bien que mon engagement dans le mouvement et au sein du mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose de relativement nouveau. Les années qui ont précédé, je commentais l'actualité, je travaillais dans mon coin, j'écrivais des livres, mais je n'étais pas un militant, on va dire, reconnu, perçu comme tel. Délibérément d'ailleurs, je me tenais à l'égard des organisations. Il y a des organisations dont je me sens proche, mais pas suffisamment proche pour les rejoindre. Il se trouve que j'ai 64 ans et que je vis mal mon âge. Et que je suis, non pas mélancolique, bien sûr je suis mélancolique, mais ça je l'étais à 15 ans, je suis à la fois mélancolique et nostalgique de ma jeunesse. je ne vais pas dire ma génération, mais j'ai vu passer le train de la Révolution et je l'ai raté. Je ne suis pas monté dedans. Et en 2019, avec les Gilets jaunes, j'avais une peur intellectuelle et affective et fantasmatique. C'était de dire le train va passer et une nouvelle fois je ne vais pas monter dans le train. Donc j'ai voulu monter dans le train. Et monter dans le train, c'était rattraper ma jeunesse, littéralement rattraper ma jeunesse. Ben, c'est ce que j'ai fait en 2016. C'est ce que j'ai fait en 2016 en allant de Saint-Pétersbourg à Pékin en train. J'ai voulu rattraper ma jeunesse. Alors ce que le texte ne dit pas, mais peut-être que je peux le dire, c'est que pendant ces 10 années où j'ai beaucoup milité, entre mes 15 ans et mes 24 ans exactement, je crois que je peux dire aujourd'hui que je n'ai jamais voulu aller dans un pays socialiste. J'en avais la possibilité d'aller dans tel ou tel pays. Je n'y suis jamais allé. Alors j'avais des raisons, mais à mon avis des raisons faibles. Et je crois que la vraie raison, c'est qu'à l'époque, inconsciemment, je n'avais pas envie de confronter mon idéal à la réalité, au socialisme et au communisme réel. Et que comme je n'avais pas envie de me confronter à ce réel, eh bien je n'y suis pas allé. Et j'arrive à un âge où aujourd'hui, je sais très bien que je ne retrouverai pas ma jeunesse, qu'il est vain de vouloir la rattraper, mais j'éprouve le besoin de revenir sur mes pas. Et donc, à peu près tous les étés, alors maintenant avec la Covid-19 c'est beaucoup plus compliqué, mais depuis quelque temps, tous les étés, je vais dans un pays anciennement socialiste ou communiste. Le dernier en date, c'était l'Albanie, un voyage qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, puisque nous parlons de train, le train de la Révolution, rattraper sa jeunesse, ne pas prendre le train en marche, ben, y a des trains sur le continent européen et asiatique. Donc, avec mon épouse, nous avons eu envie, mon épouse qui n'a pas le même parcours que moi, pour diverses raisons, mais qui est très proche intellectuellement et idéologiquement de moi, nous avons eu envie d'aller à Saint-Pétersbourg et puis de prendre le train, pas l'avion, et d'aller jusqu'à Pékin. Donc pour moi, c'était une manière de remonter l'histoire, de remonter une histoire que je n'avais pas vécue et que je ne pouvais pas vivre parce que le schisme sino-soviétique, c'est 64, et j'étais vraiment pas dans les langes, mais en culotte courte en 64. Mais pour moi, c'était une manière de reparcourir ce qui avait été beaucoup compté pendant mon adolescence et mes années de jeune adulte, c'est-à-dire bon, un débat politique et théorique terrible opposant l'Union soviétique et la Chine de Mao. Donc j'avais besoin d'aller à Moscou, d'aller sur la place Rouge, d'aller au mausolée de Lénine, et puis d'aller place Tiananmen, au mausolée de Mao. J'ai vu la momie de Lénine, je n'ai pas vu celle de Mao, puisque le jour où nous étions à Pékin, il y avait des inondations, des pluies épouvantables, et le mausolée de Mao était fermé, donc je ne l'ai vu que de l'extérieur. Et là aussi, je trouve que le hasard objectif est intéressant. Je n'ai pas vu la momie de Mao, j'ai vu celle de Lénine. Je cesse de plaisanter, enfin, plaisanterie un peu acidulée. Ce voyage en train était important. La Russie, la Mongolie, la Chine jusqu'à Pékin, c'était une manière de voir ce que l'histoire avait produit. Et ce que l'histoire a produit, de mon point de vue, alors je ne vais pas être péremptoire, j'en retire un sentiment très douloureux, c'est de dire que nous, les humains, quand nous nous occupons d'histoire ou quand nous pensons à l'histoire, il est bon de nous livrer à une propédeutique, auparavant, c'est de jouer au billard. Parce que si on veut marquer des points au billard, il faut savoir qu'il est recommandé de ne pas tirer d'une manière rectiligne sa boule. Et vraisemblablement, le communisme et le marxisme-léninisme ont permis à deux grands pays qui ont une immense histoire, la Russie et la Chine, ils ont eu besoin d'endosser les habits du communisme et du marxisme-léninisme pour sortir de la misère, de la pauvreté. La Chine aujourd'hui est en passe de dépasser les États-Unis d'Amérique. Elle est peut-être de fait déjà la première puissance mondiale. Eh bien, c'est Mao qui a permis cela. C'est un certain communisme, c'est une certaine imagerie de la grande révolution culturelle prolétarienne. C'est le reste. Ils ont eu besoin d'un ressort puissant. Et ils l'ont trouvé dans le marxisme-léninisme. Bon, ça me rend un peu malheureux, mais c'est ainsi. De la même manière que Place Rouge, je le dis dans ce récit, c'est assez frappant de voir d'un côté le mausolée de Lénine et de l'autre côté le Goum, où il y a absolument toutes les marques internationales du luxe. C'est une belle leçon. Vous avez dû remarquer, et pour moi c'est aussi important, mes chroniques, mais les scènes de la guerre sociale, il y a une instance narrative invisible et le personnage est désigné à la troisième personne. Le récit de voyage, je l'endosse à la première personne parce que je crois pas me tromper, je pense qu'un récit de voyage à la troisième personne, bon là c'était un peu trop. Ce voyage, je l'ai fait, c'est de ma jeunesse, de mes idéaux dont il est question, autant endosser le jeu. En revanche, je crois, aujourd'hui, on verra dans 5 ans ou dans 10 ans, aujourd'hui, l'écriture romanesque, et vous me lisez, vous savez ce que j'écris, c'est une écriture romanesque, donc de fiction, parce qu'il n'y a que de la fiction, évidemment. Vaste débat, mais le roman, y compris ce qui relève des matériaux autobiographiques, cela devient de la fiction, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, les romans que je pratique et que je vais pratiquer, ce sera nécessairement des romans à la troisième personne. Je suis incapable d'utiliser la première personne parce que précisément, comment dire, j'ai en tête ce que disait Alleg au début de la question. Quand on voit l'état du monde, il convient d'être non seulement modeste, mais d'avoir beaucoup de pudeur. Et mes soucis, essayer de rattraper ma jeunesse, parler de mes désillusions politiques, mais ce sont des soucis d'une très grande banalité. Et donc les énoncer à la première personne, c'est peut-être manquer de pudeur. Et il vaut mieux prendre un peu de distance. Et la troisième personne autorise cette distance.